Oui, une Torah, donc c'est un mot hindi qui signifie bouquet. Et donc c'est un ensemble de bracelets de verre, 2 à 300 bracelets qui sont liés par une ficelle. C'est une ville en Inde qui se situe dans l'Uttar Pradesh, à 40 km du Taj Mahal. Je suis entré dans des centaines de verreries. J'ai filmé, photographié, dresser un inventaire de tous les bracelets de verre qu'on pouvait y fabriquer. Mezenthal, c'est un centre de recherche pour le verre. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire des allers-retours entre Firozabad et Mezenthal. Et à un moment donné, de déplacer les bracelets de verre de Firozabad jusqu'à Mezenthal et de demander aux ouvriers de Mezenthal de défaire, en quelque sorte, le travail des ouvriers indiens de Firozabad. Le centre de recherche a sauvegardé tous les moules des différentes verreries de Lorraine qui ont fermé successivement au XXe siècle. Les fermetures étendues à la non-rentabilité de ces verreries, quoi, et à la mondialisation. Et donc j'ai trouvé intéressant de souffler toute une production indienne dans une production lorraine. Voilà, 404, en fait, c'est le nuancier que j'ai dressé à Firozabad de toutes les nuances de bracelets de verre que l'on pouvait acheter à Firozabad. C'est un travail presque d'archéologue. On a soufflé 404 empreintes. 404, pour moi, c'est aussi 404, c'est-à-dire ce qui efface, le 4 effaçant le 4. Et je m'intéresse depuis toujours à la masse. Et cela me renvoie à Masse et puissance d'Elias Canetti.